L'eau est constituée de toutes petites molécules d'eau qui, au contact de l'air, se resserrent entre elles et forment une membrane comme une couche protectrice. La force qui permet la formation s'appelle la tension superficielle. C'est grâce à cette force que le poivre reste au-dessus de l'eau. Le liquide de vaisselle est une substance qui va diminuer la tension superficielle de l'eau. Le poivre va donc essayer de se déplacer vers un endroit où la tension superficielle est plus forte. C'est pour ça que le poivre s'éloigne de l'endroit où la goutte de liquide de vaisselle est tombé. Ici, nous avons donc une vue de profil pour vous montrer ce qui se passe avant que le liquide de vaisselle touche les molécules d'eau et après. Les molécules d'eau sont toutes bien attachées entre elles avant que le liquide de vaisselle ne les touche. Mais quand le liquide de vaisselle va les toucher, les molécules d'eau qui sont au-dessus vont s'écarter. Contrairement aux molécules d'eau qui sont en dessous, qui, eux, ne vont pas bouger.